les haches. Oui, il y a qu'une hache. Oh là là, ça va me... Ça me vénère. Cœur des ténèbres. Bah yo. Bah ouais bah. You have perished, you are dead. Bah oui. On va chercher du mana avant. Que cette opulence, vulgairement affichée, demeure intacte, était la preuve que la peur refoule la cupidité. Oh, j'ai limite envie d'arrêter là. Oh oui, on va faire ça. Cœur des ténèbres. On va aller au donjon et on va arrêter parce que là, ça... ça commence à me tilt. Je peux pas vous mentir. Mais vraiment, genre là, je tilt. Ah, mais oui. Je sais pourquoi on se fait aggro dans tous les coins. Parce qu'on a pas ça en fait. Cœur des ténèbres. Ouh, ça devient... Ouais, ça devient très compliqué comme jeu. Au début j'étais enthousiaste, mais là j'avoue que... C'est chaud. On va se concentrer. Ça marche pas. Non, je... Peut-être là-dedans il y a à manger. C'est de la base verte. L'absorber du tout. On se transforme en ça. Ça c'est terrifiant là. Ah mais c'est du gaz. Ok. Oh faut comprendre. Très important. Très 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 important. Voilà. Sinon on va se faire harceler. Ah, bizarrement, y'a plus rien qui pop. Comme par hasard. Quand je suis comme ça. Étrange, n'est-il pas? Ah, si, ça pop un peu. Quand je suis en esprit. Ça pop quand même vachement bien. On va courir. F6. Sauve mort, c'est là. Ok, c'est ça. Fouh. Verse ton sang pour moi et ces objets seront tiens. Imagine le pouvoir que tu en tirerais. Ainsi donc, vampire, tu viens Attendez. À la forge de l'esprit pour demander de l'aide. Je te dirai des secrets en échange du sang des morts. Sacrifier de sang. Ainsi donc, ouais. Vampire, tu viens à la forge de l'esprit pour demander de l'aide. Je te dirai des secrets en échange du sang des morts.
Je regarde ce que c'est vite fait. Alors. C'est pas expliqué. Bon bah non. Parce que sinon je vais mourir. Mais ça doit être des trucs pour trade de la vie qui ont du mana. Du coup c'est pas ça qu'on cherche. En même temps c'est bien à trouver un nouveau truc. Attends c'est relou, c'est pas ça que je cherche. C'est peut-être ça que je cherche. Je n'ai plus de vergogne, je vais pas vous mentir. On va cheat. Let's go. Alors. Ah c'est cool. Ah c'est cocasse, comme on dit. D'accord. C'est un labyrinthe. What? Oula. Oula. Oh! Je me fais mouliner? Oh! Oh la vache! Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais faut le savoir. Ah ouais, il y a beaucoup de faut le savoir dans ce jeu quand même. Ouais maintenant je prends plus de risque. Voilà. Ouvrez-moi. Oh là là. C'est une énigme. On va activer les interrupteurs verts. Ça c'est vert. Ça c'est rouge donc non. Tu veux un bouton. Ah, un bouton pour le pont. C'est quoi les inter... Mais c'est une épée ou c'est un sort? Mais je comprends plus. Moi c'est un sort que je cherche. Je crois. Attendez, faut peut-être que je désactive tout. Genre. J'ai ouvert où? Qu'est-ce que j'ai ouvert? Je comprends rien. Je saisis plus tout ce que je fais, hein, je vous le dis. Cette épée ravage la chair de ses dents métalliques et enflammées, ne laissant que des débris calcinés. Ok. Tu peux voir? Épée de feu, de flamme. Ah oui, c'est une vraie épée de flamme. Il n'y a pas de vanne. Hey, putain! Il fait plus rire. Il n'a plus envie de déconner du tout. Okay. Il est là pour tout détruire. Ouais mais je suis pas venu chercher ça moi là-bas. Oh! Chrome! Ah, c'est pas mal l'épée de feu. Je suis pas venu pour ça mais... ça m'arrange. Les affaires reprennent. Quoi? Un interrupteur? Effectivement. Alors, et cette porte-là? Ah! Bah voilà. On a pas encore trouvé. C'est pas ça qu'on cherche. Ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est fou. Il y a quand même beaucoup de choses à trouver dans cette histoire. Oh, attends. Bah non. Je me suis dit, ah peut-être ça va cramer les ronces. Pas du tout. Il y a quoi comme truc? Il y a ça là. On va y aller.
peut-être c'est là-bas qu'il y a des trucs à trouver. Il y a une alarme, moi j'aime bien. Peut-être que... Attendez. J'espère que c'est là-dedans. C'est ça. Allez. On va sauvegarder. On fait ce donjon. On va chez le Vorador, on sauvegarder. Et après on arrête. C'est parti. Salut tous. Oula oula oula, attendez, j'ai même pas le sort. Ce sort me permet d'asservir mes ennemis, me donnant le contrôle de leur corps. Lorsque je relâche ma prise, leur corps se ratatine. Et la vie les quitte au moment où mon âme remplace les leurs. Et je deviens immortel. Quand j'arrête. Ah voilà. Je suis encore mort. Et j'ai plus de mana. Comment je fais? Comment faire son mana? Bon, attendez. Vous êtes prêts? Alors? J'ai trouvé comment faire son mana. Bon! Je te tue! Aïe aïe aïe. Let's go. Est-ce que si lui prend les dégâts, je prends les dégâts sur Kane? Bonne question. Ah mais il n'y en a plus. Oh non. Ils l'ont tué. C'est bon. Nourris-moi. Ah mais ça use le mana. Non. Eh, il est pas dégueu ce mec. Il y arrive. Mince. Mince. J'ai cancel l'énigme. Oh, ça reste ouvert. Meurs pas. C'est bon, tu peux mourir. Let's go. Vite. Bien comme sort. Oh. Par contre, sans les cheat codes, je vois pas comment faire. Hein. Parce que là, il y a vraiment pas de mana en fait. Il y a pas de mana, mais il y a pas de mana. Let's go, let's go, let's go. Et hop, et là, mort. Oh, c'est excellent. Oh non, je me suis fait mouliner. C'est bon. Fouh. Ah voilà, il est simple ce jeu. Quand on triche. Mais attendez. Le cheat marche plus. Voilà. Oh non. C'est bon. Attendez. C'est bon. On est
On n'est pas n'importe qui, on est... Le tricheur. Ah, fallait que tiens un truc à moi. Je ne suis pas n'importe qui, je suis... Tricheur. Attendez. Meurs des flammes de l'enfer. Merci. Aïe, aïe, oui. Il est mort des flammes de l'enfer. C'est bon. Bon, le gameplay devient intéressant. Oh non, mais... Oh! Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, mais. Voilà. Ah oui, non, mais j'ai décidé. Je triche. C'est fini. Voilà, c'est. Ça m'a vraiment énervé là. L'histoire de. C'est impossible. C'est tout ? Ah non, ça active un truc. Pardon. Bon bah voilà. On a fini. Salut. Et ben voilà. Bon, on a triché sans vergogne, mais ça allait. Attendez. Voilà. On sauvegarde. Allez. C'est... Hein ? Voilà. Non. Voilà, on se TP à Borador, on sauvegarde, et c'est bon. On arrête là. Oh non mais le jeu m'a fou. Là j'avoue que le jeu plus on avance. Au début j'aimais bien, c'était cool et tout. Oh mais là le. Non les cinématiques c'est bon. Le jeu devient infâme. Enfin pas infâme mais infâme dur. Il devient dur en fait, tout simplement. Mais c'est la dureté de l'époque donc c'est dur à l'infini quoi. Et voilà. C'est ça qui va couper notre session sur Legacy of Kain Blue Domain. Je vous souhaite à tous la bonne journée, la bonne soirée, la bonne vie. Au revoir.